Masechet Sota, En Ben David Ba, O Bodor Shikulo Zakai, O Bodor Shikulo Hayab, Ech Yichol Yot Yeshua Tashem, Keref Haim. Il m'a fait comme ça du doigt. Est-ce quelque chose de la vie l'habitude de faire comme ça, des fois, quand vous voulez, un signe négatif. Après, il me dit, en un clin d'œil, tout le Ham Israël peut faire Teshuvah. Tout le Ham Israël peut faire Teshuvah. Et la preuve en est, d'ailleurs, on a parlé de ça après, c'est la Gemara dans Masechet Kiddushin. Si quelqu'un, il donne une balle à une femme, il dit arrête, écoutez chez lui, à condition que je sois un tzaddik, même si c'est un rachat d'amour, écoutez chez lui. Elle est mariée. Il peut avoir des. Si, pique là-bas qui. Des boucles d'oreilles, il peut avoir des. N'importe quoi, des amis. Un peu de cheval, des tatouages. Amenez un tatouk, amenez à condition que je sois un tatouk, elle est écoutée. Comment est-ce possible? Shema, il rêve de tchouva. Tu veux avoir un sentiment de tchouva, qu'il s'insère pendant une fraction de seconde, eh bien, ça s'appelle qu'elle a fait tchouva. C'est un tzaddik. Peut-être pas un tzaddik gamour, parce qu'un tzaddik gamour, c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté. Même qu'il était un rachat gamour avant, maintenant c'est un tzaddik. Donc on voit qu'on a une fraction de seconde de l'âme Israël. Mais à l'époque, on pouvait se demander comment est-ce possible qu'en une fraction de seconde, tout l'âme Israël fera tchouva. Aujourd'hui, avec Torah Box, avec les médias, avec la diffusion des messages percutants, on peut imaginer un événement qui va faire du bruit dans tout le monde, tout le monde va s'éveiller à la Teshuvah, et là le Mashiach viendra sur place pendant cette même seconde. Là, c'est le message que j'ai reçu. Mais le message qu'on doit retenir, la Teshuvah, la Geoula dépend de la Teshuvah, et la Teshuvah dépend de la diffusion de la Torah, de la vérité, du Emet. Et là, on ne peut que féliciter Torah Box, et même être jaloux. Ils ne font que diffuser la Torah et la lumière de la Torah. Et là, je tiens à insister sur le fait que la Torah, en fait, c'est un bonheur, c'est un plaisir. On va prendre goût à l'étude de la Torah. Et c'est ce que fait Torah Kok. Là, je me permets aussi de vous transmettre une anecdote avec le rabbin Citruc. Quelques mois avant son décès, j'étais le voir à Neuilly, là où il priait, une Chayarvit. J'ai pris avec lui le Réharit. Il était complètement défiguré, je savais comment il était. En tout cas, j'étais le voir après la prière. Et je lui demandais, est-ce qu'il avait un message à transmettre au judaïsme de France, ou peut-être même au judaïsme mondial. Et sur place, instantanément, il m'a répondu, oui, j'ai un message à transmettre. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il faut apprendre à aimer l'étude. Une fois qu'on aime la Torah, après, automatiquement, on s'y attache, on ne peut plus la lâcher. Quand on l'aime vraiment. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Celui qui n'a pas encore pris goût à l'étude de la Torah, c'est qu'il est passé à côté. Il ne connaît pas la vraie Torah. La vraie Torah, on doit la déguster. D'ailleurs, le Sages vous disent que pendant qu'Hachem Mishtahashaya Mishtahashaya Batorah, ils se réjouissaient, ils s'amusaient de la Torah pendant 974 générations. S'il nous l'a donné, c'est pourquoi? Qu'on se réjouit tous aussi. Le lait de Ratrachar Achoua et Azava de Tibéoni. Et c'est ce qu'on prie tous les matins. Arrête, on a Hachem et lequel dirait Torah Techa. On demande à Hachem que la Torah soit délicieuse. Il faut qu'elle est délicieuse, il faut qu'on en prenne goût. Et bien là, tout le monde continuera à suivre. Et ni Anna, vous êtes éternel, vous êtes éternel, vous êtes éternel, nos enfants et petits enfants continueront à guider s'ils voient leur père qui prend plaisir. Pour lui, son plus grand bonheur, c'est d'étudier la Torah. Et savoir que c'est le but principal. Là, je vais vous donner, pour en finir, un atout ou un outil pour que chacun de nous soit un agent de Torah Box. Chacun puisse diffuser à son tour lui aussi la Torah. C'est le Gaon de Vilna qui a répondu au Maguid du Douvna. Le Maguid du Douvna lui a demandé comment je dois faire pour avoir de l'impact et de l'influence. Et le Gaon de Vilna lui a répondu, tu prends un grand récipient et tu mets autour de lui beaucoup de petits récipients. Tu remplis le grand récipient et lui, il déborde. Et quand il déborde, tout le récipient autour se remplit. En fait, on doit nous se remplir de Torah et déborder du message qu'on veut transmettre aux autres. Une fois que tu dépends de ce message, que ce message rayonne autour de toi, après automatiquement le message passe.
quand tu dépends de l'Emouna, quand tu vis l'Emouna, tu n'as pas besoin de convaincre les autres, le message de l'Emouna, elle passe, elle rayonne autour de toi. Si tu veux donner à des élèves, de leur apprendre quoi l'étude de la Torah, c'est pas la peine de leur dire ça à longueur de journée, il faut aimer la Torah, il faut aimer. Non, il faut prendre goût, prendre plaisir, lui montrer comment tu as aimé le chidouche, tu as aimé cet éclaircissement du verset ou de la Torah. Et quand tu vois, tu es vraiment dans les anges, quand tu as aimé ce pirouche-là, l'enfant ou l'élève, il aime comprendre cela, et puis il est influencé par ce goût de la Torah, et c'est comme ça qu'il apprend lui-même qui a étudié la Torah. C'est plus qu'un exemple, c'est en fait faire passer et communiquer ce métal. Yeraton, je souhaite que Torah Box de Zatachem soit les premiers des pionniers qui vont aider à faire venir le Mashiach très prochainement, et on pourra voir aussi Baba Salé parmi nous, qui va continuer à nous faire des brachot, nous éclairer tout l'âme d'Israël, de Chénu Yeraton et de Maramène. Et aussi on félicite le Rabbi Galpen qui vit le 7 de Pesach en Israël, avec son grand éclairage, à Dakobabo, pour couvrir tout.